Eh bien, tant qu'on va commencer, c'est simplement un avion à papier, mais il va être une coupe d'étapes qui était un petit peu compliquée comme normal. Donc, si tu es déjà venu ici avec votre école ou tes amis, famille ou n'importe quoi, peut-être tu l'as déjà fait. Ça ne veut dire pas que tu ne peux pas faire ça chez vous, parce que franchement, tu peux. C'est besoin simplement d'un morceau de papier, une perforeuse, des ciseaux, c'est juste un petit peu de ruban et une élastique. Donc, si tu as déjà fait un avion en papier ici à la place du cerveau, vous vous souvenez bien que chaque fois qu'on commence un nouveau avion, on va diviser la page en deux. Et la raison pourquoi on a fait, c'est à cause que quand on ouvre le papier, nous avons une ligne au centre de le papier. Donc, ça, c'est notre guide. C'est pas nécessaire d'être certain exactement sur la ligne pour chaque étape, c'est pas nécessaire de tout, mais ça va être notre guide et ça veut dire simplement que ça va être une guide, ça c'est une suggestion. Donc, on va commencer avec ce coin ici, on va prendre ça comme ça et encore, je ne suis pas exactement sur cette ligne, mais je suis très proche. Si vous êtes sur la ligne, c'est pas grave, c'est pas comme terrible ou quelque chose comme ça, mais juste être, encore, ce n'est pas une grosse différence. C'est juste, on va utiliser comme une guide. Et exactement la même chose sur l'autre côté. Comme je dis, ça semble maintenant comme un normal avion, mais à 7 ans, on va changer ça un petit peu. Donc, cette étape, on va commencer ici, on va tourner le papier comme ça, puis la ligne qui est là, on veut que cette ligne était en ligne avec cette ligne. Encore, ça c'est notre guide, on va laisser ça comme ça. Pousse comme ça, pousse comme ça, et maintenant c'est devenu, ça sent comme une lettre. C'est pas mal, hein? Prochaine étape, on va prendre encore ce petit coin ici, et encore, nous avons notre guide ici. Et comme je dis, c'est pas nécessaire d'être exactement sur cette ligne, et comme à cette temps, c'est probablement, ça va être mieux si c'est juste un petit peu plus d'espace, mais encore, c'est pas trop nécessaire. Et en même temps, à l'autre côté, comme ça. Et bon. Donc maintenant, nous avons trois niveaux de papier. Un niveau en bas, central et en haut ici. Et on veut que les trois vont être ensemble et ensemble fort d'une façon. C'est pas comme des concrets ou quelque chose comme ça, mais il y a besoin que ça va être fort. Donc on prend un petit morceau de ruban, gros comme une pouce ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessaire d'être trop long ou quelque chose, mais on va juste attacher ça ici. Et c'est nécessaire d'être certain, 1, 2, 3, les trois niveaux ensemble. Et tu peux voir que ça fonctionne mieux comme ça. Bon. Et aussi, cette sorte de ruban, c'est pas nécessaire d'être un ruban électrique comme ça, mais c'est pas une mauvaise idée parce que ça donne un petit peu de présence, juste un petit peu. Tu peux utiliser n'importe quoi, ça fait pas une grosse différence, mais c'est pas une mauvaise idée. Donc, maintenant, on va fermer notre avion. Facile, facile, facile comme ça. Bon. Encore, on est pas certain que toutes les choses sont propres et nettes et tout ça. Bon, la prochaine étape, franchement, ça va être un petit peu difficile. Donc, ça peut être nécessaire d'avoir l'aide d'un adulte ou quelque chose de même. Sinon, c'est pas grave, mais juste regarde qu'est-ce que je veux faire. Je veux que cette partie ici, je veux que ça va être le même spot qu'ici, en ligne avec la partie en bas. Donc, je mets ma pouce ici, je prends le papier comme ça et je tourne ça un petit peu comme ça. Tu vois comment ça fonctionne? Juste comme encore. Ça commence comme ça. Et on va tourner et pousse comme ça. Ça fait du sens? Et en même temps, à l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Exactement la même chose. On veut que cette partie en haut va être en ligne avec la partie en bas. Facile et pas mal. Donc, si tu arrêtes à cette étape ici, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise petite avion. C'est OK. Mais ça, c'est le passé, c'est le gros. Et toujours, on cherche pour les choses incroyables et plus incroyables. Donc, c'est fou parce que juste fait notre avion et on va prendre des ciseaux. Mais, on y va. Je coupe un petit peu jusqu'en bas des ailes ici. Pas trop sur les ailes, juste en haut, comme ça. Je vais ouvrir l'avion. Tire ça en haut. Ferme-le. Ça un petit peu. Et maintenant, encore, c'est pas un mauvais petit avion, mais encore, nous sommes la place au cerveau. Donc, on va prendre la préféreuse et je fais ça. Je peux le faire ça
avant un petit peu. C'est pas nécessaire d'être comme au début. Mais on juste veut pas que ça va être en arrière comme ça. On veut que ça va être comme ça. Bon, il y a un trou. On va prendre une de notre élastique. Mets ça dans le trou. Je m'excuse. Ouvrez ça. Tirez. Bon. Nous avons un bel petit avion.